Et yo tout le monde, c'est très impatient, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous me l'avez énormément demandé. Train Inbox. Donc la voilà, la vidéo sur Train Inbox. Voilà. Et cette machine, je l'ai eue hier. Et elle est digital sonore. Alors je vais vous montrer ce que ça donne. J'espère que vous entendrez bien. Voilà. Les phares avant et arrière. Ensuite, ici, comme vous pouvez le voir, ça c'est clair. Voilà. On a une autre fonction, c'est de mettre que les gyros ou que les warnings. Et donc voilà, j'ai donc ça c'est la souris en fait pour commander. Donc il n'y a aucun placement de produit. Donc voilà, c'est une roco. Voilà. C'est juste pour la reconnaître. Donc voilà. Alors ici, c'est un câble. C'est pour les car systems Faller. S'il y en a qui connaissent, ben, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà. Donc ça se coupe. Aussi, il y a le pilote. Et donc voilà. Et donc, bah voici le réseau. J'espère qu'il vous plaira. Donc ici, du coup, je fais les entrées de tunnel. Ici, je vais ballaster les voies, comme vous le voyez. Alors, tous les véhicules qui sont sur ce réseau ne sont pas compris dans la boîte. Voilà. Tous les véhicules qui sont sur ce réseau, et bah, ce n'est pas compris dans la boîte. Voici des STVH, bref. J'ai toute une rame. Ici aussi, j'ai fait un îlot central. Voilà, la route. Bon, ça c'était en extension. Enfin, en extension, c'est moi qui ai voulu le faire. Vous savez, pour marquer l'arrêt. Bah, comme ça. Bah, voilà. Tiens, aussi celui-ci. C'est moi-même qui l'ai équipé de personnage. C'est un bus RATP. Je pense que vous l'avez reconnu. Voilà. Là-bas, je vais vous montrer. Alors, ici, pareil, on a un bus RATP. Celui-ci, c'est un SIQ, l'autre, c'était je sais plus quelle marque. Voilà. Alors, celui-là, c'est un vrai modélisme. Équipé par mes soins au personnage. Et voilà, je sais pas si vous verrez. Voilà. Avec soufflé. Voilà, ça tourne. Désolé si je parle un tout petit peu du nez. Hein. C'est normal. Parce que je suis un peu malade. Un crayon de papier. En fait, le crayon de papier m'a servi pour faire les contours du Faller. En fait, ici, je voulais le faire passer. Et peut-être que je vais faire une petite amélioration pour le faire continuer après ici, faire un module en extension. Ça, pour sculpter les rochers, vous voyez, comme ça. Donc là, on dirait pas trop des rochers. C'est à améliorer. Donc voilà une gomme. C'est bien pour nettoyer les voies. J'en ai une deuxième. Bon, de la peinture, ça m'a servi pour faire le mélange pour les rochers. Donc voilà, de la peinture. Voilà. Et sinon, voilà, là-bas il y a une entrée de tunnel. J'ai terminé les modes de craft. Papier craft. Ici, j'ai mis un petit panneau arrêt pour dire au train de s'arrêter. En fait, cette voie-ci là, elle me sert vraiment pas. Puis en plus, bah, elle fonctionne pas.
Ici, voilà, j'ai essayé de faire un accident. Voilà. Ici, j'ai mis un petit panneau S. À chaque passage à niveau, normalement, c'est obligatoire. Je vais vous laisser avec cette vidéo. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à commenter, à activer la cloche de notification pour savoir quand mes vidéos arriveront. Donc voilà, là ça fait un moment que j'en ai pas fait. Donc vous allez me dire bah oui mais pourquoi tu fais plus de vidéos? Et bah parce que oui, je suis en cours comme vous, la rentrée ça s'est très bien passé, voilà. Donc voilà. Donc je vais vous laisser avec cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à activer la cloche de notification, à la partager aussi, et à vous abonner. Ciao. C'était très patient. À plus.